DJ Click, DA Producteur, un des fondateurs du HT qui fête ses 10 ans cette année. Je vous présente le 4e album H2O qui est une grande messe pour les océans. Franck Dadur dit The Fakir. Voilà, je joue dans UHT depuis 2 ans maintenant, du saxophone soprano, de la clarinette turque. Dans le collectif UHT, nous avons toujours essayé d'innover en restant original, en incorporant à une base électronique hip-hop jungle des sons symphoniques, jazz et acoustiques. Avec les productions de DJ Click dans UHT, il y a exactement la même liberté que dans un groupe acoustique, sauf qu'on rajoute en plus la dimension électronique qui nous amène vers la danse et la trance. Sur scène, on prend un malin plaisir à croiser nos instruments acoustiques, soit le saxophone, la clarinette, la contrebasse et la flûte avec les machines de DJ Click et Nino Corta. Ça change vraiment de faire des questions-réponses avec les instruments joués par le DJ qu'avec les instruments habituels qu'on trouve dans un quartet ou un quintet de jazz. Donc là, vraiment, on a une autre interaction qui est beaucoup plus dynamique. Moi, sur scène, je me transforme en batteur virtuel et j'extrais tout le travail, toutes les séquences qu'on a fait en studio, en digital, sur des platines CD. Ce qui permet d'avoir un live qui n'est pas du tout figé, où il y a une énorme place pour l'improvisation et il y a une énorme place pour les solos, sans véritable timing précis. Entre poésie et furie, le nouvel album du HT nous éclabousse d'un message sur l'état critique des fonds marins.